Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Uncharted Drake Fortune. Et on est parti pour la suite du jeu, le chapitre 10, le poste de douane. Alors, y a pas un petit truc caché quelque part, un petit trésor, quelque chose pour me féliciter d'en avoir autant chié comme un con dans l'épisode précédent, avec tous mes fails? Waouh! Ça doit être les manifestes des vieux bateaux. Ça semble encore en bon état. Hé, hey, regarde ça. C'est intéressant. L'Esperanza. Provenance Callao, Pérou. Transportant 800 lingots d'or, 1200 d'argent, des émeraudes, des masques en or, des ornements. Oh, tu lis l'espagnol du 16e siècle? T'es pas qu'un simple pilleur de tombes, en fait. Juste là, statue d'or. Poids 20 arrobas. Plus de 250 kilos. Ça peut être que ça. Ouh, l'Eldorado. Et voilà. Ce truc me donne la chair de poule. Hein? Y a plus rien après. Bizarre. Quelqu'un de spécial? Quoi? Ah. Ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Hein? Je te voyais plus comme le genre de mec à avoir une femme dans chaque port. J'aimerais bien. Non, c'était la blague de Francis Drake. Et j'en ai en quelque sorte hérité. Sic parvis magna. La grandeur vient des débuts modestes. C'était sa devise. Regarde la date. 29 janvier 1596. Un jour après sa mort supposée. Attends, c'est quoi ces chiffres juste là? Des coordonnées. Juste au large de Panama. C'est comme ça que t'as trouvé le cercueil? Ouais, exactement. Tu vois, Drake a laissé cet indice pour indiquer l'endroit exact de sa dépouille. Pour que quelqu'un d'assez intelligent le découvre. Ouais, bien tenté. Mais on va quand même prendre ce bateau. Elle serait pas en train de faire du rentre-dedans, là? J'ai bien peur qu'on ne se rapproche pas plus d'Eldorado. Eldorado. D'ailleurs, ça me fait penser au dessin animé sur la route d'Eldorado, qui était un dessin animé, un film très très sympathique, en fait. Putain, t'as pas honte de me faire peur comme ça, tu con? Je pensais qu'il y avait pas d'ennemis. Voilà, comme par hasard, il y a plein d'ennemis encore ici. On se demande comment ils ont fait pour arriver ici avant nous. Ou du moins, ils se sont pas rendus compte qu'il y avait un papier super intéressant qui montrait à quoi ressemblait l'Eldorado. Je sais pas, moi, c'est le genre de truc que j'aurais pris, quoi. Tiens, garde ta grenade. C'est bon, il a l'air d'être mort. Ah, toi, t'étais pas mouru en fait, t'as juste eu mal. Ah, merde! Mais mon tech. Pouf! Merci. Merci. Sinon, mademoiselle, tu peux servir quelque chose avec ton arme. Gars. Ouh! J'ai plus d'oreilles, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes. Et sinon, ça va. C'est peut-être pas le moment de bourriner. Cache-toi. Ah, tu m'énerves. J'ai choisi la mauvaise île. Merde! Oh non. Et c'est ainsi qu'Elena mourut en fonçant sur une grenade. Car elle voulait suivre mon exemple. Mais elle a pas compris qu'il fallait juste pas faire ce que je fais. Ah. Je vois pas de bateau, Nate. Il dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà. Il est là-bas. De l'autre côté du port. Allez. Ouvre tes yeux. Eh, tu sais quoi? Et si moi je restais ici? J'attendrais pas ici que tu... J'en étais sûr. Que tu reviennes me chercher. Hein? Parce que je suis pas courageuse et j'ai peur. Ok, qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien. Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. J'ai pas confiance. Oh, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage.
tous les sens du terme. J'ai pas confiance. Et ben moi je vais rester ici jusqu'à temps que tu n'aies plus de pellicule. Bon, je vais me faire chier sinon. Faut faire toc toc. Peut-être que si un jour j'arriverai à comprendre qu'il faut juste tirer sur tous les cadenas avant de foncer dedans. Bourrin. Pour nous les hommes. Salut Boudin. Oui. Bruna, je touche. J'ai loupé? Non. Tout va bien. C'était prévu. Ah, c'est des courbatures. Voilà, ça va mieux. Ouais. Non, c'est pas une vache. Pif. Oh non, c'était dans la tête là, c'était bon. Mais pas chier. Il est où le Mister il a. Voilà. Par contre, pour les autres, je suis obligé de faire YOLO pour me rapprocher et mieux voir. Ils sont où? Ouais. Ah. Ici, si. Et voilà. Voilà. Vous voyez que je suis pas obligé d'appuyer sur rond pour pouvoir m'accrocher à un rebord. N'est-ce pas, Nathan? Pas de couilles. Oui. Bon, allez. Ouais, je sentais venir. YOLO! Vas-y, 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 c'est bon. T'es méchant. Chapitre 11. Pris au piège, j'aime pas ce mot. C'est qui ça encore? Attends voir, c'est pas Eddie ça? Où ça? Tu regardes quoi là? Ouais, bon ok, je sais pas ce que t'as vu, mais bon, si tu le dis. Grenade, grenade! Pif! Voilà, fais de couilles! Oula, je suis pâteuse. Là-haut. Pif! Je sais pas si je l'ai eu. Je crois même que je ne l'ai pas eu du tout. Non. On va viser sur qui en premier? Parce qu'au final, il y a plein d'ennemis. Voilà, je crois que lui c'est bon. Je crois qu'il y en a un sur la droite. Non. Lui, toi, toi. Voilà. Oh, bah toi, voilà. Okay. Bordel. J'aime pas les grenades. Je suis trop loin, je suis trop près. Ouh, bah voilà, ça c'est cool ça. S'il vous plaît. Montrez-vous. Ouh. Alors la puissance. Oui, là je comprends le fait que... le fait qu'il vole. C'est un Magnum 44, le plus puissant de toute la planète. Appelez-moi l'inspecteur Harry. Bip 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 bip. Raté. Qui avait d'ailleurs été parodié dans... Par les nuls. Ou à la Shabba c'était déguisé en... En Clint Eastwood, avec un flingue juste énormissime. Oh, ok. Planque-toi. Ah, oh, putain, il était juste en face, voilà pourquoi je le trouvais pas. Bah oui. Du coup, c'est pas pratique. Oh, putain, il faut tous retaper. Bon, j'ai toujours mon boom boom, mais... Voilà, au moins. Ok, c'était peut-être pas encore le meilleur plan.
On va recommencer. On va commencer par lui. Suite lui. Il se l'est pris en plein dans le fion, mais il est toujours là. Ok. Évidemment, pour récupérer maintenant le magnum, ça va être un petit peu compliqué. Ah. Oui, un petit peu. T'as raison, je suis un peu piégé. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Prends ta petite grenade dans l'avion. Ouais, lui, je crois que c'est bon. Et encore lui là-bas. Avec 4 balles. Bon, ça, j'ai ça encore. Fais voir ta tête. Voilà, bouffe ta grenade. C'est bon. Alors. T'es mort où? Il est là. Tiens. Oui. Tiens. Ouais, bah, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il y en a encore. Par là. Non, je vais pas regarder ça, je vais juste récupérer le. Ouais. Magnum 44. Ah, oh, mais. Évidemment. Comment gaspiller toutes ces munitions visant à côté, hein, bordel. Mais non. Voilà, c'est ça que je voulais, le petit flingue. Alors, j'ai bien aimé la petite glissade qu'il a fait. Bon, c'est tous mourus, on dirait. On va pouvoir récupérer un peu des munitions. Parce que là, ça pue un peu du cul, merci. Voilà. Ah, je suis plus le petit flingue quand même que ça. Même si... Ah, allez, on va prendre ça pour changer une fois. Faut quand même que je tue des ennemis avec des armes un peu différentes. Poupou, à mon avis, faut ouvrir avec voilà avec ça, tout simplement. Hein. Faut pas chercher compliqué. Voilà. Oui, descend. Elle est où, la monde? J'ai ton bateau. Petite grenade, on n'en cause plus. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate. Mais qu'est-ce que t'as? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi? Oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... Tada! Salut. Sully. Un sale petit traître. Je sais pas, Nate, mais bon, tu lui fais vraiment confiance? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Oui. C'est bizarre. Et voilà, tu n'as plus le bateau. On devrait y aller à la nage. Sully a des défauts, mais c'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Oh non. Ok, ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'il bosse pour eux? Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Ok.
peux sauter dans l'eau? Non, là par contre je ne peux pas. Bon, au final, on va passer. Oh, mais. Ok, la puissance du flingue, quoi. C'est des balles explosives, en fait. On les voit pas exploser, mais ce sont des balles explosives. Ça explose, en fait, à l'intérieur du corps. T'as récupéré les munitions? Voilà. Oui, 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 donc bouge ton cul. Tiens, suivant. Suivant. Yolo. Pour pouvoir récupérer. Il est où mon flingue? On vient pas de là en fait. J'ai comme l'impression de déjà vu. Ah, peut-être pas en fait. On va prendre le petit pont. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Est-ce qu'il va se craquer sous nos pieds? Comme la plupart des ponts de ce genre-là. Tu vois ces traces? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Waouh, c'est étonnant. Non! Il faut que tu la lâches! Faut que tu survives! Merde. Non, la caméra! Crac! Mon scoop! C'est dégueulasse! Adieu le prix Pulitzer! Prix Pulitzer, c'est pas possible. C'est dégueulasse. C'est n'importe quoi. Voilà. On arrive en face. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Un petit trésor dans le coin. J'ai l'impression de... J'ai cette étrange impression que j'ai loupé quelque chose. Non. Bon, et... Coucou. Oui. Oh, mais quel magnifique salto. Attention, mode je me la pète. Mode je me suicide aussi, non, papa. Pijoli. La 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 la. Silly. J'espère que tu as une sacrée bonne raison. J'ai récupéré Magnum. Faut pas le faire. Mais putain, bouge pas, voilà. Beaucoup de Magnum dans les couilles. Mais planque. Oh. Bim. Bim. On se casse. Viens ici, viens m'aider. Je peux plus me planquer. Ah, si j'arrive à le tirer dans la tête, c'est quoi? Ouh, ça a pas dû faire du bien. Je crois que même un spectre Harry balance un truc du genre... cette arme est capable de t'arracher la tête. Ouais. À cette distance. Chapitre 12. En remontant la rivière. Cette rivière devrait nous mener au monastère. Non, pas encore. Tu conduis? Bah non, c'est Bibi. Moi je vais aller à gauche. Voilà. Je vais me barrer d'ici. Allez, on se casse, on peut pas. Je voulais voir un truc caché, mais non. Allez, viens, coquette. Oui. C'est un flingue que t'as ou c'est toujours ton... Ah putain, mais non, c'est un flingue. Donc tu ne peux plus rien faire exploser. Faut remonter la rivière. Allez.
Allez, tu peux le faire. Courage, oui, voilà. Voilà, non, 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 non. Allez, go, à droite. Ah, mais quelle maniabilité de... Satan. Boum, 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 on fait tout péter. On se demande d'où vient tous ces bidons explosifs. Allez. Ah, tu vises aussi bien que moi. Tiens, 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 tiens. Excusez-moi, excusez-moi, je ne fais que passer. Oulala, ça me donne bon. Allez. Allez, vas-y, tu peux le faire. Yolou, il est sûr. Voilà. Évidemment, fonce bien dessus. Je vais aller sur le côté, mais j'ai un peu loupé mon coup. Tiens. Alors, la petite, évidemment, c'est... C'est vraiment dans ce genre d'endroit qu'on a envie de faire du jet-ski. Ainsi, allez à gauche, voilà, c'est très bien. Ouah. T'es pas passé loin, hein. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Boum, bidi, boum. Fais-toi péter la gueule, on va se faire fusionner, on va se faire... Je me casse. Tu vois, je sais pas ce que tu fais, mais moi, je me casse. Non. Bah oui. J'ai pas envie de crever. Parce que je fais du hors-piste. Allez. Digloum. Tiens, crevez tous. T'as vu, j'ai volé l'arme de Lara Croft, je suis pas obligé de recharger. C'est ça en fait, Elena, c'est Lara. Bim! Ouh, la fait boum! C'est bon, nous avons donc la réponse à notre question. Pourquoi il y a autant de barils ici? C'est que t'as des mecs qui ont été payés pour en balancer plein. Pour nous empêcher d'arriver. Non, je pensais qu'on pouvait faire exploser le camion avec un baril, mais on dirait pas. Bon, là, logiquement, il est plus censé avoir deux barils. Hein. Aïe. Je suis coincé. Non. Aïe. You, you. T'es sérieux, t'arrives à grimper avec... Oui. C'est le réalisme. Alors, je n'ai jamais fait de jet-ski, mais j'en doute quand même que ça arrive à faire ça. Ah si, bien encore. Allez, grimpe, ainsi tu peux le faire. Yolo. Yeah, allez à gauche. À la gauche, c'était. Boum boum, ça dit... Comment dire aux ennemis? J'arrive. Wouh! Non! Je l'avais pas vu, mais il grimpe. What? Je suis mort comment? Oh putain! Heureusement qu'il y a que dans ce jeu où il y a des parties en jet ski, hein, parce que c'est pas la meilleure idée qu'ils ont eue. Elle grimpe là-haut, vas-y. Putain, on irait tellement plus vite à la nage. Ah bah non, c'est vrai, il nage à 2 à l'heure. Enfin bon, c'est... Elle est à gauche. Ah ok, je sais comment je suis mort en fait. Voilà, j'ai pas... C'est juste que j'avais pas vu le mec avec son lance. Lui là. C'est lui qui a dû me tuer. Oh oh. Évidemment. Il est où ce. Il est là. Et c'est bon, je l'ai esquivé. Et j'ai failli foncer dedans. Après l'avoir esquivé. C'est.
Monte ta tête. Viens, approche. Ah, courant de merde. Allez, vas-y. Voilà. Allez. On peut descendre là. Oh putain, il est où? Il est là. Putain, il avait le doigt sur la gâchette, hein. On y croit! On y croit! Vas-y! Oui. C'est les meilleurs moments du jeu, ça. C'est trop trop bien. Oui! Wouhou! Wouhou! Salut! Le truc qui doit avoir ultra cabossé, mais c'est pas grave. C'est bon! On est arrivé! Oh. Merci. Tout va bien? Non. Okay. Allons voir dans ce monastère ce qui se passe. Je ne vais pas bien. Eh bien, je crois que je vais arrêter cet épisode là-dessus, voilà. Parce que je suis comme lui, un petit peu essoufflé après ce petit passage. Et je vous dis à la prochaine pour la suite d'Uncharted. Salut tout le monde!